Mais quel... S'il va crever? Il va crever? Et... Yo, pote, les petits potes, on se retrouve sur Dungeon Boss, les petits potes. Et ça y est, les petits potes, on va faire un petit peu de raid. Je vais vous montrer, comme d'habitude, un petit tour du proprio. Donc, on va tout de suite aller voir les monstres. Let's go, les petits potes. En ce que j'utilise, les petits potes, en ce que j'utilise, il y a Jiber, il y a Regard, il y a Point de Rock, il y a Sir William, il y a Fleur Jasmine. Et bientôt, on va mettre Leonidus Solari. Et tout ce qui va avec, toute la clique, les petits potes, ça veut dire Leonidus, Solari, Jiber et Mâchoire Broyeuse. De toute façon, ils se seront affichés là, normalement. Vous les verrez en image, tout simplement, les petits potes. Et je vous montrerai un petit peu les runages, mes mobs actuels. J'ai mon Regard Casseroc, les petits potes. Mon Regard Casseroc qui est ruiné en full attaque. Il faut que ça cogne avec une rune def quand même. Hein. C'est des runes majeures, j'ai des mineurs, j'ai un peu tout, j'ai trois mineurs et deux majeurs, les petits potes, hein, et les majeurs ça carry de ouf. Bientôt on va atteindre le niveau 50, on pourra farmer les donjons boss, hein, donc à doux jeu quoi, les donjons boss pour récupérer les épiques. Le petit Jiber, les petits potes, le petit Jiber qui lui est ruiné en chance d'esquive, hein, mais sur chance d'esquive, et ici on a de la def avec un petit. Une petite chance d'esquive et du dodge. Donc tu vois, c'est de très bonnes runes ça pour un mec qui va tabasser, tu vois, parce qu'il va pouvoir esquiver, donc pas se prendre trop de dégâts, il aura un petit peu de def. On a de l'attaque en majeur, ici on n'a pas encore changé, ici on a de l'attaque aussi. C'est un monstre qui commence à être vraiment bien runé, tu vois. C'est le genre de monstre qu'on a tous envie d'avoir dans le stockage, en tout cas au début. J'ai un petit peu l'amélioré, voilà. Un petit peu de l'améliorer. Il n'est pas encore tout à fait full éveillé hier. Donc lundi, les petits potes, parce que je tourne cette vidéo mardi. Hier et jusqu'à aujourd'hui, 15h, les petits potes, j'ai farmé comme un gros salaud, les petits potes, pour avoir mes évos. J'en ai 6 sur 8. Du coup, il m'en manquerait plus que 2. Et ceux-là, on peut les farmer. Enfin, on peut les crafter avec des évos. Des évos monarques. Voilà, qui se farment tranquillou dans ce coin-là. M'en suffit de 20. Et c'est bon, je pourrais faire. Mon petit Jiber full éveillé. Fleur Jasmine, les potes. Ma petite Fleur Jasmine. Rien de très foufou. Toujours la même. Hein, donc, 2 def, du don. Et ici, on n'a rien changé encore. Est-ce que j'ai quelque chose? Je peux la remplacer, celle-là, par celle-là. On peut remplacer ça. On peut remplacer ça, les petits potes. On peut remplacer cette rune-là par celle-là. Voilà, on va lui mettre. Cette rune-là. Voilà, ici, on a quelque chose de mieux. Ouais, on a de la réduction ici, donc on va mettre la réduction, hein, si, quitte à changer, quitte à au moins mettre quelque chose d'un petit peu mieux, tu vois, d'un tout petit peu mieux, ça peut toujours faire le taf, donc elle full éveillé, hein, point de rock bien sûr, hein, le chouchou, hein, le boss du game, hein, le point de rock, vraiment le meilleur monstre au début, je pense, le meilleur monstre qui va tout carry, 2 def, une attaque, et ici on a de la def et de la vie. Voilà, même pas encore full monté, hein, bien sûr, je me tarde un petit peu à monter ça, je me tarde, mais il va falloir que je le fasse quand même un de ces 4, les petits potes, hein, parce que bah, le point de rock, c'est quand même un très très bon personnage, tu vois, un très bon monstre. Voilà, full éveillé, bien sûr, hein. On monte les compétences au maximum de ce que l'on peut, hein, en général, selon la thune que t'as aussi, hein, selon la thune que t'as. Mais je pourrais vous montrer mon petit Sir William, hein, d'or Leonidus, que j'ai passé 4 étoiles il y a très peu de temps, donc hier, voilà. J'ai le Sir William, 4 étoiles bien sûr, hein. On a des runages qui commencent à être pas mal, on a de la def avec raillerie, il fallait vraiment que je chope la raillerie plus def, hein. C'est vraiment top ça en PVP et même en PVE pour vraiment qui tank à la place des knuckers, parce que les knuckers ils se font taper, ils ont mort, vous allez voir en raid, c'est très 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 souvent que mes deux knuckers m'ont clamsé dès le début. Parce qu'ils n'ont pas assez de défense encore, et que parce que le Sir William, malheureusement, il va tanker, mais il ne peut pas tanker les dégâts de zone. Donc malheureusement, manque de bol, ça les tue quand même. Mais au moins, si jamais, ça peut le faire taf. Ici, on a du 20% de chance d'une attaque basique supplémentaire. Donc, je vais essayer de le chercher d'ici peu. J'avais d'autres runes ici, hein, vous avez vu, j'ai d'autres runes que je pourrais mettre dedans. Dont celle-là qui est pas trop mal. Ici on a aussi une chance d'extra basique attaque, donc c'est-à-dire que c'est pas une attaque basique, c'est une attaque épique. Donc forcément c'est un petit peu mieux les potes, les attaques épiques. On va juste baisser ce son là, voilà. L'attaque épique c'est un petit peu mieux. Bah ça tape beaucoup plus fort et c'est une épique, donc voilà. Voilà pour les monstres. Maintenant, let's go les potes, je vais vous montrer un petit peu où on en est au scénario. Let's go.
En voilà, en scénario les pipotes, en scénario, on peut pas continuer. En bronze, on peut pas continuer parce que ben, on n'est pas niveau 50, on est niveau 46. Donc on continue à farmer, on continue à chercher les tokens. Et ben, tout simplement, on va attendre le niveau 50 pour pouvoir débloquer ça, plus les donjons qui seront ici, donc à partir du niveau 50. Et ensuite, on pourra les faire. Et en argent, les pipotes, en mode défi. En argent en mode défi, on est ici. Hein. Ici, on peut encore continuer à augmenter. On est au chapitre 14. Je gère tranquillou avec ma petite team. Hein. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour du scénario. On est là pour du raid, les pipotes. Du raid, du coup, le scénario, on dégage. Et on va aller tout de suite en raid, les pipotes. Les pipotes, on est en raid. On est en raid. On est bientôt au rang légende, les pipotes. Je vise la légende, je vise la légende, surtout sur ce petit compte qui est très 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 très, c'est très faisable de viser le rang légende. Je suis maître de guerre de les petits potes et ça va envoyer de la patate. Il faut des bouillous les petits potes, bang. Voilà, on chope les petites récompenses, hein. Ouh, les petits tokens, eh ben ouais mon petit père, plus une petite rune champion, c'est parti. On pourra aller plus haut, on pourra aller plus haut, on pourra aller plus haut, mais on pourra aussi aller récupérer ces petits trucs là, je sais plus quand on les obtient. Défense du jour, j'en ai perdu une mais j'en ai gagné une. Bénef, la saison se terminera dans 19h. Donc demain bien sûr on récupérera tous nos petits tokens, hein, du petit Dargrun, donc le nain guérisseur. Entre nous il est pas top. Il est pas top mais bon c'est l'argent, c'est l'or ici qui nous intéresse. Et bien sûr bah, les runes du champion, ça on s'en fout. Mais vraiment les runes du champion et les gueules qu'on peut récupérer avec ça. Allez, c'est parti. Je vous ai montré ma team défense. Ma team défense, elle se situe comme ça. Un petit Sir William, un petit Cassie Rock, une petite fleur jasmine et un point de rock. Voilà pour ma team de défense. Pour le moment, c'est provisoire, la petite pote. Enfin, c'est provisoire jusqu'à que j'ai ma Solari, mon Leonidus, que je pourrais mettre hein, à la place de, je sais pas, moi, je sais pas, on pourrait mettre un Leonidus à la place de Regard Cassie Rock, histoire de encore plus casser les couilles, tu vois. Par exemple, je donne des idées, tu vois. Il faut un truc qui casse les couilles pour que les gens ils veulent pas t'attaquer parce que c'est trop long. Si vous êtes invincible, les tipotes, les gens sont obligés d'abandonner et du coup, ben, vous gagnez. Par exemple, là, je vais pouvoir montrer une team. Ouais, ça, bon, celle-là, je vais la gagner. Par exemple, ça, c'est typique, ça. Je vais gagner ça. On va essayer d'y aller sans mon heal. On y va avec le heal ou non. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça sans le heal, hein, parce que j'ai pas vraiment besoin du heal hein, si je peux jouer. Pas besoin du heal et il me faut absolument maintenant mon Sir William qui lui a la raillerie. Mon point de rock là pas dès le début, du coup je suis obligé d'emmener mon Sir William pour avoir le focus sur moi. Tout simplement que les gens qui ont des grosses attaques comme ça, ils le tapent. Vous avez vu, là s'il chope mon JBR, ça peut très mal se terminer pour moi. Il faut juste pas qu'il meure. Si le JBR meurt pas, ça peut être vraiment excellent. S'il meurt, c'est un petit peu plus chiant. On va essayer de choper le petit Brome. Hein. Le Brome qui doit me taper moi et pas tuer mon JBR. Vous avez vu, des stacks en zone, ça peut être vraiment... Waouh, vous avez vu cette attaque, les petits potes. Elle l'a vraiment explosé. On va tuer quand même le petit Brome. Il va revenir à la vie à cause du Leonidus qui malheureusement, va les faire revivre. Ah bah même pas, non, il est pas éveillé. Il est pas éveillé, il les fait pas revenir. Autant pour moi, excusez-moi les petits potes. Excusez-moi, je pensais vraiment... qu'il allait les réinvoquer, mais non, il n'est pas éveillé, donc qui dit pas éveillé les petits potes, dit on ne joue pas avec un mob qui n'est pas éveillé, c'est une règle d'or les petits potes, en tout cas, ce personnage là, ne le jouez pas quand il n'est pas éveillé. Vous pouvez jouer par contre un Sun Wukong ou un Jin Li ou un Archon qui eux bien sûr sont des légendaires, qui peuvent être joués sans être éveillés parce qu'ils ont des très 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 bons skill 1 et des bons passifs, comme Sun Wukong qui a le passif de... Bah, en gros, il se met à ta place, il tank et il envoie un coup du bâton. Ça, c'est un passif qu'il a dès le début. Donc forcément, t'es pas vraiment obligé de ne pas le jouer, tu vois. Là, il y en a un, tu vois, ça va être casse-couille, je vais pouvoir vous montrer. Ouais, en plus, elle a des bonnes runes, j'ai l'impression. Ouh, ouais, oh, ça risque de faire mal. J'hésite même à le faire, mais je pense qu'on va se faire rapta là-dedans, mon gars. Je pense qu'on va se faire rapta, on va tenter... On va se le tenter comme ça. Je promets rien parce que j'ai peur qu'il tue mon JBR, les gars. Voilà, il m'a direct tué mon JBR. S'il tue mon regard, c'est déjà presque mort, tu vois. C'est déjà presque mort. On va essayer de tuer le Sun Wukong. Peut-être qu'il pourra peut-être pas jouer. Ok, on a tué un petit peu tout le monde. Et bon, lui, il a déjà été son sort 2. J'ai juste envie vraiment que. Il faut vraiment aller vraiment tuer le petit Nevius. Hein. Si on tue le Nevius, ça peut encore le faire parce que.
comme je vous ai dit, on a le bro. Et le bro, c'est qui? Le bro, bah, c'est le point de rock. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, les petits potes. Je sais pas du tout, parce que du coup, bah, il aura pas la réduction. Parce que bah, eh bah, le niveau, il l'a pas, tu vois. Mais normalement, le Sun Wukong devrait crever grâce à ça. Alors, on va se mettre un petit peu de buff défense avec ça, voilà. Waouh, on a pris cher, on a pris cher, on a pris cher. On tue le Sun Wukong. On va tuer aussi le Nevius. Si on tue le Nevius, on a gagné. Ouh, on prend tellement de dégâts, on prend tellement de dégâts du Nevius. Allez, allez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vais mourir, je pense. Oh putain. Oh putain, on se prend une vilaine attaque là. Si je me prends. Allez, tue-le. Voilà, c'est bon, on a tué. Ah putain, eh. Et le Jin là, il me tue là. Je sais même pas comment il s'appelle ce singe à la con là. Yan Luo, voilà, il me tue. Putain, il a failli le tanker. Bon, c'était un combat trop risqué pour y aller normalement. J'aurais dû y aller avec un heal en plus. J'aurais pas dû y aller avec mon JBR, je savais qu'il allait mourir. Cette team là, je sais aussi qu'elle va me péter mon JBR, tu vois. Donc par exemple, cette team là, on enlève le JBR et on met la fleur Jasmine, tu vois. Parce qu'on sait que dans tous les cas, mon JBR va crever. Parce qu'il va se prendre une rapta de pont crétin. Il va se prendre une rapta de. Y a qui deux dedans? Bah, il tape tous en zone, donc dans tous les cas, je me prendrai une rapta, tu vois. Lui, il tape en zone, boum, tu vois. Et il a fait déjà très très mal. On va essayer de tuer pont crétin au cas où, si jamais on y arrive. Voilà, on y arrive, parfait. Donc là c'est win. La win, elle est clairement là. Voilà, il nous fait son petit sort en zone. Vous avez vu, il aurait vraiment pas du tout géré le. Il aurait pas du tout géré les petits potes, mon petit Gibert, il aurait clamsé dès le début, tu vois. Donc ça aurait été pas ouf. Voilà, il se prend des méga raptas de l'autre. Lui, il est chiant. Ce mob-là est très très fort en plus. Hein. Ce mob-là est très très fort. Hein. Très bien ruiné. Il peut te faire. Il peut te sauvager ta team en un rien de temps. En plus, il a du heal, le con. Il faut juste que j'ai le boost là avec mon regard. Parce que malheureusement, j'ai pas de rune festive. Les runes festives, ça vous sert à avoir votre sort dès le début. C'est vraiment pas mal du tout, tu vois. Parce que si t'as tes sorts dès le début, tes gros sorts, ben, tu peux direct mettre un petit buff def, un petit buff attaque. Donc ça pourrait être vraiment très très sympathique. Allez, là il me faut que j'ai le sort. Normalement, je l'ai le boost là. Là j'ai le boost, voilà. On a l'accès de rage et là normalement c'est gagné. Là normalement c'est gagné. Voilà, un petit 7k. Et on devrait finir tranquillou avec les autres, avec le petit point de rock. Et la fleur Jasmine, ça devrait se faire, je pense. Ah putain, il se soigne à chaque fois qu'il tape cet enfoiré. Hein. Ce bel enfoiré, cette belle enflure là. C'est une belle enflure, hein. Regardez-moi comment il se soigne. Il veut pas crever, hein. Il veut pas crever le con. Il se soigne beaucoup trop. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout, les amis. C'est pour ça que ce mob-là, je l'aime pas. Il est pire que tout. Hein. Il est pire que tout. C'est un tank qui fait mal. Boum, boum, boum. Allez, on va le tuer là. On va le tuer. Il apparaît ici. On va faire ça. Douf. Voilà. On va y arriver. Hein. Il me faut juste encore un accès de rage là. Et ce serait parfait. Ce serait parfait un petit accès de rage là. En plus, il récupère de la vie parce que malheureusement, ben, je lui fais aussi de la. Il a aussi de la vengeance. Du coup, il récupère un max de points de vie. Faut vraiment qu'on se booste. S'il nous tape du 0, normalement il récupère pas de points de vie. Malheureusement, là il va nous taper du 400, il se récupère du 800. C'est un petit peu pas ouf, tu vois. On va essayer de réduire sa def. Ok, c'est bon. Là, normalement, waouh, les points de vie qu'il a récupéré. Normalement, on le tue là. S'il te plaît. Waouh, voilà, un petit 12k. Quand même, les petits potes. Tain, si j'aurais pas eu mon regard, ça aurait été mort. Hein. Je vous le dis direct, j'aurais pas eu le regard. Ça aurait été fini pour moi. Ça aurait été fini. Et le raid, chut, sous le nez, les petits potes. Sous le nez, sous le pif. Et fini, voilà les potes. En tout cas, hein, je tiens juste à vous le rappeler. Si jamais vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas, les potes. N'hésitez surtout pas une seconde. Hein. Si mes vidéos vous plaisent, let's go. Et mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et toutes vos questions, les potes, c'est parti, les petits potes. On est lancé. Et ici, on a quoi? Ici, on a du zoom. Qui dit zoom dit aussi qu'on va se faire éclater notre JBR. Qui dit Daigon dit on va se faire éclater notre JBR. Et qui dit Lorelei dit on va pas pouvoir tuer l'ennemi. Donc là c'est un combat un petit peu chaud. J'hésite quand même à mettre le JBR parce qu'en vrai le JBR c'est vraiment pas dégueulasse, tu vois. Le JBR c'est vraiment pas dégueulasse. On va se le tenter avec un petit peu de chance. Le Daigon nous one shot pas, tu vois, avec un petit peu de chance. S'il nous tue, ben tant pis, hein. On ira à 3. À 3 la guerre, hein, c'est tout. On ira à 3 la guerre et tant pis, quoi. Là, Lorelei qui fait tellement mal. Oh, il a tanké le fou. Il a
Attends, qu'il faut. On va tuer son zoom. Hein. Zoom. Quand vous avez un zoom en face, c'est le premier truc que vous devez tuer. Je vous le dis direct. Hein. C'est le premier truc que vous devez essayer de tuer, en tout cas. Voilà, on va faire un ravage là, mon petit pote. Oh, ils ont tellement de défense. Ils ont tellement de défense. C'est quoi ce délire? Ils ont trop de défense. C'est quoi ce truc de ouf? Jamais je le tue. Jamais je le tue, les petits potes. Il a beaucoup trop de défense. C'est beaucoup trop de heal. C'est un zoom heal. Ça va être très chiant. Allez, dis-moi que je le tue. Je m'en fous qu'il fasse ça. Je m'en fous qu'il fasse ça. Je veux juste le tuer. Oh putain. Ah, ça risque d'être chiant. Ah, ça risque d'être chiant si j'arrive pas à tuer le zoom là. Allez, allez, point de rock. Oh, il a pas de sort. Il a pas de sort, point de rock. C'est ça le problème. Il a pas de sort, ce fou. Allez là. Venge-toi un petit peu là. Montre que t'es méchant là. Montre que t'es méchant, s'il te plaît. Tue. Voilà. Ça, c'est parfait. Là, c'est parfait. Là, on est pas mal du tout. On va essayer de reprendre un petit focus. Hein. Voilà. Ce qui est bien, c'est que si jamais Daigon il tape sur lui, bah il y aura du renvoi de sort. On va quand même faire ça, comme ça, Daigon il pourra choisir qui veut. Moi j'aurai de la défense en plus. Donc dans tous les cas, je me prendrai pas beaucoup de dégâts. Regardez, je vais me prendre du 0. Là je vais me prendre du 200, voilà, du 400. C'est pas extrême, tu vois. Et là on va tuer, là on va tuer. Là il fait ce qu'il veut, parce que je vais lui renvoyer les dégâts. Donc à la limite, je pourrais même ne pas tabasser ce Daigon et m'occuper plutôt de la Lorelei, je pense. Plutôt m'occuper de la Lorelei, parce que moi, le Daigon il va mourir dans tous les cas. On va même un peu baisser la défense du Yan Luo là, histoire qu'il fasse pas trop le fier. Le Yan Luo, c'est plus un problème. Elle, c'est plus un problème. Daigon, c'est plus un problème. Lorelei, c'est plus un problème. Maintenant, on va s'occuper de ce petit-fils. Le petit-fils Yan Luo, il veut quoi lui? Il veut quoi? Ce petit fou là? Ce petit fourbe? Eh ben ouais. Ah bah arrête de taper. Arrête de taper, mon frère, mon fils. Arrête de taper. Voilà. Là, on va le tuer. Normalement, ça va. On lui enlève des points de vie. Hein, donc, c'est déjà pas mal. On va essayer de lui réduire un petit peu la def. C'est toujours un petit peu la même chose. Voilà. On les tue et on gagne. Mais c'est quoi ce que j'ai dans le nez là? C'est dégueulasse. C'est quoi? C'est un macro? C'est quoi? C'est une langoustine? C'est affreux. C'est un truc qui me gratte dans le nez. Horrible. Bah voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, les petits potes. Oh, ah ouais, ouais, ouais. Celle-là, je suis obligé de la faire. Oh, tellement chiante. Oh, cette team dev tellement chiante, mais on va y aller. Oh ouais, on va y aller. Oh putain, bien sûr qu'on va y aller. Bien sûr qu'on l'a fait. Oh, ça va être un combat très chiant. Ça va être un combat très très chiant, les petits potes. Je vous l'annonce direct, un combat très chaud. Hop, hop, hop. Je tiens juste à vous préciser, les petits potes, hein, que c'est une team bronze que j'ai. Hein, et en face, c'est que des légendaires. Si je gagne, c'est juste fou furieux. C'est juste fou furieux si je gagne. On tape zoom, hein. La règle d'or. On tape zoom. Règle d'or. Et maintenant, on peut même faire ça. De toute façon, il va mourir, mon JBR. Donc, autant qu'il envoie toute la pâtée, il va mourir. Normalement, voilà, il meurt. Ah, ça bug un petit peu. On va essayer de tuer lui. Hein. On va essayer de tuer lui comme ça. Bam, voilà. Voilà. Malheureusement, c'est mon regard. C'est mon regard qui a un petit peu fait chier. Parce que malheureusement, normalement, c'est bon, non. Voilà, normalement, c'est bon. Ouais, ça passe tranquille, finalement. C'était pas une team si chiante que ça, vraiment, parce qu'il était très très mal ruiné. Mais si c'est bien ruiné, ça peut faire mal. Ça peut faire la différence. Vraiment totalement la différence. Hein. Ça peut vraiment te défoncer tout, en fait. Ça peut être très chiant à tuer, voire des fois impossible à tuer. Donc, un peu chiant. Là, il y a... Oh, c'est bon, ça va. Il y a juste une fleur jasmine. Il y aurait eu un point de rock. Pouah, ça aurait été agaçant. Je l'aurais peut-être même pas tenté, tu vois. Là, il y a juste un Harbinger. Harbinger, ça va, tu vois. Ça peut faire mal, ça peut tanker, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Non, c'est vraiment pas méchant. On va même le détruire facilement, je pense même. On va voir dès les premiers coups, de toute façon, il va nous montrer ce qu'il sait faire. S'il me one-shot le truc, non, il ne me one-shot même pas. Il ne one-shot pas mon Chibert, donc c'est gagné. On va tuer tous les petits sbires hein, et on va s'occuper d'eux juste après. Voilà, là, on va tuer la fleur jasmine. Et c'est un combat une, ça. Ça, c'est un combat une, les petits potes. Le Chibert est vraiment très fort. Hein. Franchement, je le conseille. En tant qu'attaque, c'est très très fort. Après, c'est vrai qu'il est pas très très tanky, tu vois. Il faut que je lui montre sa rune esquive def parce que sinon il jouera pas beaucoup. Et si je monte cette rune là esquive def, je peux vraiment très vite monter en arène. Et même ça peut aider en tout. Hein. Je le joue vraiment en tout en ce moment, mon Gibert. Je joue bien sûr la team de base, hein, Rogar, Sir William, Fleur Jasmine, Point de Rock dans la tour de la Gnac. Mais bien sûr, si jamais il faut, on envoie le Gibert. Et là, il t'éclate tout, mon petit pote. Et bien sûr, Gibert, les petits potes, si vous savez pas,
Je ferai peut-être un petit plan. Dites-moi en commentaire si vous voulez un petit plan sur JBR. Si vous en voulez un, je vous en ferai un, les potes, sur, sur mon gros compte, hein, bien sûr. Parce que c'est mon gros compte qui a un JBR, qui peut avoir un JBR vraiment très 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 fort, tu vois. Histoire de vous montrer vraiment le potentiel d'un JBR. Et aussi, les petits potes, hein, la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de vidéo, ou je ne sais pas, parce que c'est comme sur Manor Wars, au début, ça va vite, et après, ça stagne un petit peu, donc j'ai pas vraiment énormément de choses à chaque fois à vous raconter, à part faire des raids, ou faire une tour de la Gnac, ou un truc comme ça, tu vois, mais c'est plus si intéressant que ça, du coup, je vais un petit peu attendre, histoire de vous montrer quand j'aurai les donjons de boss, ça se trouve, la semaine prochaine, j'aurai les donjons de boss, du coup, je pourrais vous faire... vous montrer si j'y arrive ou pas au donjon boss et vous montrer avec quelle team j'y vais. J'irai sûrement avec la même team que d'habitude, hein. Donc la team avec Regard, Sir William, Regard Cassirock, non, Point de Rock et Fleur Jasmine. J'irai sûrement avec cette team, à moins si bien sûr j'ai mon JBR ou un autre monstre plus apte à faire ça. Si j'y arrive pas, je changerai de team, bien sûr. Hein. Si j'y arrive, et bah, c'est une team parfaite. Voilà, allez, on continue, les petits potes. Il nous reste deux raids, donc pourquoi ne pas les utiliser, ces deux petits raids, les petits potes. On va utiliser contre un Sun Wukong. Wow, une bonne team ça. Une bonne team très rapide, hein. Avec un Sun Wukong, un Harbinger et un Sibyl. Et on a un petit zoom ici qui peut faire très mal. On tue le zoom, on tue zoom, on a gagné. Voilà, je vous le dis, on tue zoom et Sibyl, parce que Sibyl est très très chiant, les petits potes. Sibyl, il va accélérer tout en fait. Et il va se soigner à chaque fois, il fait mal en plus. C'est très dangereux, hein, Sibyl. C'est très 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 dangereux, hein, Sibyl. C'est pour ça que j'aime pas trop me battre contre ce genre de truc. En plus, il est invulnérable. Donc laisse tomber. Ouah, il tape que dalle. Ouah, il tape méga fort. Ouah, il tapait que dalle l'autre et lui, il tape méga fort. Ouah, bah ouais, j'ai zéro. Ah, zéro là. Zéro, je gagne. Ouah, je m'attendais pas à un Harbinger aussi énervé. Ah, je m'attendais pas du tout à un Harbinger aussi énervé. Hein. Ah, loin de là. Ah ouais, jamais de la vie, j'y arrive. Il va manger. Il va me manger comme un steak frites, les petits potes. Il va me manger comme un steak frites. Je le sens bien. On va essayer même de tuer son Harbinger, hein, parce que c'est lui qui fait les dégâts, son Harbinger à la con, là. Allez, là, on augmente la défense. Je crois que j'ai du renvoi sur tous les monstres, sauf sur le zoom. Voilà, l'Harbinger, il meurt. Normalement, lui va passer. Il en va bien. Oh, j'aurais peut-être dû booster ma def. Oh, j'aurais dû booster ma def. S'il meurt pas, prochain tour, je booste ma def. Prochain tour, je booste ma def. Si jamais il meurt pas, ok. On peut gagner. J'ai jamais dit qu'on allait perdre. On tue le Sibyl, nickel. Le Sun Wukong, en plus, il est juste tank, tu vois. Il est juste tanky. Du coup, on booste la def. Waouh. Calme-toi, frérot. Allez, boum. Putain, dommage. Malheureusement, je vais pas pouvoir le tuer, je pense, son zoom. Enfin, son Sun Wukong, s'il soigne trop. On va essayer de tuer, voilà. On tue le zoom, ça peut le faire. Ça peut peut-être le faire finalement, les potes, ça peut peut-être le faire. Parce que là on aura du renvoi, donc eux dans tous les cas ils meurent. On va essayer de faire ça. Putain, mais il y a trop de points de vie, c'est quoi ce Sun Wukong? C'est quoi ce Sun Wukong, les petits potes? Je suis désolé, jamais j'arriverai à le tomber, ce Sun Wukong. Je suis désolé. Il est beaucoup trop fort, ce mob. Il tank beaucoup trop. Et jamais de la vie je le tue celui-là, hein, par contre. Hein. On est d'accord, jamais de la vie je le tombe. Attends, on va tuer lui là. Au moins, voilà, ok, il soigne du 400, on lui fait du 300, là on lui fait du 600, il soigne du 400, il nous tape, normalement on renvoie du 100, ok, je suis obligé de le taper au fait, je pense que je suis obligé de le taper pour, mais pourquoi je tape du 160 maintenant? Je tapais beaucoup plus que ça, 300, voilà, oh, ouais, il soigne du 800, et jamais j'y arriverai, hein, cette histoire me rend fou, faut que j'arrive à rebaisser sa def, là, allez, on rebaisse sa def, là, boum. Ouais, j'aurais jamais assez d'attaque, je pense, pour le kill assez vite. C'est du 400. Tac. Boum. 600. 800. T'as mais ouais, il soigne du 800. Je comprends rien à son soin à lui. On comprend rien à son soin à lui. Hein. Mais vraiment, on comprend vraiment rien à son soin, ce petit con là. Il te soigne beaucoup trop. 300. Après, tu fais ça. Voilà. Il soigne du 400. Tu comprends rien à son heal. Hein. Je te jure, tu comprends rien à son heal. Hein. Allez. Je l'aurais peut-être petit à petit, hein. C'est... Ouah, mais ouais, mais comment ça existe? On va tenter un truc. Allez. Là, mon gars, maintenant. Boum. 600. Il booste son attaque. Il soigne. On tape. On soigne. Bam. Parce qu'en vrai, je lui baisse ses points de vie. Ses points de vie, ils descendent. Mais mon Dieu,
S'il va crever, il va crever. Il me rend fou. Allez, 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 allez. Ne me déçois pas, ne me déçois pas. Allez, Rocky. Allez, Rocky Balboa, là. Let's go. Mais fais-moi un truc. Fais-moi un truc. Waouh, il sonne du 800. Allez, boum. 600. Ok, 400. Boum. On a encore 200 de plus. On a encore 200 de plus que lui. Allez, faut pas qu'il soigne. Faut pas qu'il soigne trop. Dans deux tours, on a à nouveau la réduction. Je pense que ça peut passer. Moi bien sûr, je suis un gros salopard. Allez, allez, 600. Oh, et la critique, et la critique. C'est pas mal du tout. Ça, on a critique. On va pouvoir faire de la réduc. Boum. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Allez, on tape du 300. 300. On lui enlève 200 points de vie par 200 points de vie. Mais ça va le faire. Boum. Allez, on y bientôt. On y bientôt. On y bientôt. On y bientôt. Il va crever. Il va crever. On se le fait. On se le fait. On perd pas espoir. On perd pas espoir. Il soigne pas encore du 800. Il soigne pas encore du 800. Donc on peut le faire. On tabasse juste. On tabasse juste. Comme des demeurés. Allez, on fait ça. Ah putain, ça aurait du crit. Ça aurait du crit. Là, il se reçoit. Il se reçoit malheureusement. On va pouvoir réduire sa défense là. On va la réduire. Putain, on va le tuer. On va le tuer. Je vous le dis. Je vous le dis. On va le tuer. On va le tuer. Putain, yes, sans le tuer. Oh putain, il était. Oh le salaud. Non, je vous jure, les gars, il était fou celui-là. Il était surtout très, 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 très tanky celui-là. Mais on l'a fait. On l'a géré. Oh, on l'a mérité 120 là. On l'a mérité, les petits potes, mais comme Jaja. Oh, un point de rock. Oh, petite team. Bien sympathique. Allez, pour la dernière. Pour la dernière, on y va comme ça. Je devrais presque mettre le Sun Wukong. Hein. En vrai, tu mets un Sun Wukong super énervé, ça peut faire très mal. Hein. Et ça tank bien d'ailleurs. Maintenant, on va voir l'Harbinger ce qu'il nous fait. Ok. On va peut-être le gagner, on va tester. Hein. Ok, ça enlève beaucoup de points de vie. Voilà, 400. On va essayer de les tuer petit à petit. On va essayer de les tuer petit à petit. On va heal, on va la jouer safe. On va la jouer safe celle-là. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va réduire la défense. J'aurais peut-être dû le mettre sur l'Harbinger. Il me fait pas trop peur son point de rock parce qu'il a pas de heal, je crois. Je crois qu'il heal pas donc ça devrait le faire. On va tous les tuer. On va s'occuper de lui en dernier parce que je le sens toujours mal lui. Ok. Bon, bah, t'inquiète pas, on va te tuer. Tu veux qu'on te tue ? On va te tuer, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on va te tuer. Ok, lui s'est pris des dégâts, donc on peut le tabasser, lui. Voilà, on va augmenter notre défense. Voilà, il nous fait du zéro, donc pour le moment, on est pas trop mal, on est pas trop mal, là. On la joue safe, ça va le faire. Le point de rock, franchement, en face, il a pas de heal. Un point de rock, il a pas de heal, ça se fait déglinguer. S'il y a du heal, par contre, ça devient nerveux, vous avez bien vu, hein. Vous avez bien vu mon point de rock. Hein. Mon point de rock, il est loin d'être nul, tu vois. Boum, ok, lui se prend ça. Donc là, on va pouvoir lui mettre une bonne rapta avec lui. Allez, boum, un petit 4000, nickel. Ok, on se prend aucun dégât. Donc lui, il tape, lui, il tape. Lui, du coup, il va se prendre des dégâts. Donc lui, il meurt. C'est bien ça? Non, il ne meurt pas. On va faire ça, on booste la défense. Ok. On va essayer de heal un petit peu, voilà. On va tabasser comme ça. 1, 2. Il peut taper lui. Ok, il peut taper. Il est mort. Nickel. Bah, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Nickel, ça. Let's go. Le rang légende, les petits potes. Le rang légende, les petits potes. Bientôt. Bientôt. Bientôt, on passe, les petits potes. Qu'est-ce qui se passe là? D'où je perds des trophées? D'où je perds des trophées? On va essayer de voir. On va quand même voir mes stats. Avant de se quitter, on va quand même aller voir mes petites stats. Ça fait ouais, 30 minutes déjà. Je pensais pas que c'était aussi long. On va un petit peu voir mes stats. On va voir ça. On va voir ça, les petits potes, tout de suite. Si c'est descendu, si c'est monté au contraire. Donc mes stats. On est à 33%. Ok. C'est plutôt correct. On est à 87% de taux de victoire. Donc des victoires, j'en ai ici. J'en ai 46 et 14 victoires de défense. C'est pas rien, les petits potes. Hein. C'est super compliqué de gagner des victoires de défense. Hein, je tiens à préciser. C'est plus facile de gagner que de défendre. Enfin, d'attaquer que de défendre. Là, j'ai perdu 7 attaques. Et en perte, on m'a tué 28 fois. Donc voilà. Bah, je trouve ça plutôt. En perte, on a eu 500.
en boost de victoire, on est à 7258 pour cette petite saison. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas les petits potes? Demain sera finalisé, je pense que j'atteindrai les maîtres de guerre E1. Du coup, je redescendrai en maître de guerre 2 et je pourrai de nouveau y aller à fond, tu vois. De mon reroll sur le raid. Sur ce, moi je vous laisse les petits potes. Allez, ciao, portez-vous bien et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire et mettez en commentaire si vous voulez les petits potes. Le petit plan de JBR sur mon gros compte. Allez, ciao les potes. Clic, clic. Pof. Ma team, Nejus, Alraki, Ginny, Trax. Je vous mets la max, je tous les passes. Golden, je vous massacre sans peine. Soit je gagne, soit je perds. Mais si je perds, c'est que t'as gagné. Je passe les gens, je viendrai